bien le bonjour à vous les cuisinières, les cuisiniers. Alors aujourd'hui, on va faire un petit millefeuille de pommes de terre en mode petite bouchée. Ça va être parfait pour les fêtes, ça va changer un peu des autres amuse-bouches. Et en plus, ça va être généreux parce qu'on va mettre de l'abondance. C'est un fromage délicieux, très fruité. C'est une bonne alternative à tout ce qui est comté ou encore Beaufort. Et en plus, c'est la bonne saison. Alors, pommes de terre, bien entendu, on va les peler. Et après, on les passera directement au robot découpe. Aujourd'hui, et comme d'habitude, j'utilise ce splendide Magimix Cook Expert. Donc c'est vraiment le robot qui fait tout. Vous l'avez sûrement vu plusieurs fois dans les vidéos. C'est juste magique, ça fait de la cuisson, cuisson vapeur, de la découpe, ça fait des veloutés incroyables. Bref, je suis conquis. Pour le coup, il y a plusieurs accessoires de découpe. Je vais prendre ce qui va nous permettre de faire les tranches les plus fines possibles. Allez, les pommes de terre, c'est parti. J'ai réservé les pommes de terre dans un cul de poule, on va s'occuper ensuite du fromage. Donc à nouveau, moi j'utilise de l'abondance, mettez ce que vous voulez si vous ne trouvez pas d'abondance. Et là, on va le râper directement dans le robot. On va juste enlever les croûtes. Et c'est parti, on va râper le tout. Hop là! Magnifique! Oh là là, regardez ce beau fromage râpé là, c'est hyper clean. Je me permets, toujours la douane. C'est vrai que les pommes de terre, ça va être un régal. Donc là, les prochaines étapes, en premier, on va rajouter un tout petit peu de beurre avec les pommes de terre. On rajoutera ensuite le fromage, un petit peu d'ail, on assaisonne et ça pourra partir dans les petits moules direction le four. Dans la foulée, le fromage, donc je garde le petit talon là, c'est encore la douane. Je mets l'ail, j'assaisonne et ne salez pas trop, l'abondance est déjà bien salée. J'en ai profité pour beurrer les moules. Utilisez ce que vous voulez, des moules à cupcake, des moules à gâteau. L'idée, c'est de faire des petites bouchées, donc préférez bien entendu des petits moules. Allez, c'est parti pour le dressage. On adapte les pommes de terre comme on peut. S'il y a quelques bouts de fromage qui restent, on les intercale. Et on presse le tout. Ça me paraît très bien, cette petite histoire. Direction le four. Une bonne quarantaine de minutes, 190 degrés. Et on va surveiller ça. Si jamais ça commence à sécher un tout petit peu, on n'hésitera pas à rajouter un tout petit peu de beurre et au dernier moment, peut-être un petit peu de fromage râpé, pourquoi pas. On attend, c'est parti. Ah là 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 là, ça donne envie ça. C'est quasiment prêt, on va rajouter un tout petit peu de déco par-dessus. Alors malheureusement, j'ai pas de fleurs comestibles, c'est toujours très dur à trouver. On va rajouter un petit peu de persil, de l'échalote grise et un peu d'abondance râpée. Ça va être fini et un délice prêt à consommer et je le répète, parfait pour les fêtes en mode petite bouchée. Un petit peu d'abondance râpée, du persil et un tout petit peu d'échalote grise. Et voilà, regardez ça, imaginez ça, un par invité pour Noël, un pour tonton, un pour tata, un pour les cousins et les cousines et surtout, un pour moi. Oh là là. Pour en manger tous les jours. Comme d'hab, la fiche recette est sur le site. Reproduisez ça parce que c'est à tomber. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet youcookcuisine.com. Pensez également à nous suivre sur les réseaux, nous postons plein de contenu. Allez, plein de bisous, ciao!